voir, mais il faisait bon. C'est trop bien. On verra la suite. Pour rester en Angleterre, j'ai jeté mon passeport dans la forêt. Pourquoi t'as envie d'y rester? Regarde. Parce que comme ça, je vais jouer à Liverpool. Interview areas. 40 minutes before the game, Zinedine Zidane, Patrice Evra, very close together. C'est magnifique. Et quand je me dis que Mamadou Sakho il a commencé dans la club, ça me donne envie de réussir, de rêver. Ça aurait bien être à sa place. Et merci Mamadou Sakho. C'est un club soudé qui veut garder le même état d'esprit depuis longtemps. Ils n'ont pas envie de changer. Et à chaque fois qu'ils rentrent pour revenir sur le terrain, ils touchent un panneau. Oui, il y a un point ici. Exercice Liverpool. En tout cas, il était archi fort avec ses compères. Alors, moi, j'avoue, il a pu qualifier. Pelé, il a porté ses compères. Manchester United, Real Madrid, Bayern Munich, Real Madrid, AC Milan, FC Porto, Liverpool. I'm 11 years old to communicate with other cultures in different countries, make friends and play footy. Nous travaillons avec les garçons de 10 ans et 11 ans. Ils font le français depuis 6 ans dans notre école et pouvoir avoir l'occasion de parler en français avec les garçons de Paris et jouer contre eux aujourd'hui à Melwood ici, c'est vraiment incroyable pour eux et c'est quelque chose qu'ils n'auraient pas eu s'il n'était pas pour Amsak et Mamadou Sakho. Ça va? Ça va? On a vu le terrain. On a vu les stades. Et vous avez visité le stade, mais vous n'avez pas visité ici? Non, non. Encore. Ok. Vous voulez faire un tour ici? Ouais. Ouais, ça vous plairait? Et il y en a un qui parle anglais ou pas déjà? Non, un peu. Qu'est-ce que tu sais dire? Dis-moi. How are you? I'm fine. And you? Bah, c'est bien. C'est déjà bien. Non? Tu parles vraiment anglais? Non, pas trop. Ah, je parle. Ça va, c'est bien passé l'organisation? Ouais. C'est un immense plaisir de voir justement aujourd'hui des enfants de Paris et des enfants de Liverpool réunis pour la bonne cause. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, c'est le but. C'est le but, échanger avec eux. Je pense que c'est une belle aventure humaine. Donc profitez-en à maximum. On est là avant d'aller à l'entraînement, on se change ici. Après, on a un pull, on a un kiwi. Donc, qui sait à quoi ça sert ça? Donc, en fait, tu croises les jambes derrière, tu restes sur les genoux. Tu fais ça. Le but aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse prendre du plaisir à jouer. Prendre du plaisir sur le terrain. Les enfants, ils ont une envie de rêve et là, se retrouver dans ces conditions-là, ça peut que booster les rêves des enfants, leur donner envie de le réaliser et d'aller jusqu'au bout. Quoi. Pour moi, j'ai vécu une certaine éducation par le sport, donc j'essaie justement de la retransmettre à des jeunes
à des jeunes aujourd'hui. Et aussi, ce qui est important pour moi, c'est comme je dis, la notion de mixité. Aujourd'hui, pouvoir faire rencontrer des enfants anglais et des enfants français, voilà, d'une différente culture, d'une différente éducation, pour moi, ça reste important. Ouais, c'était super. On a fait un match avec Mamadou Sakho. À la fin, il nous a signé le crampon et le maillot. Ça fait visiter le centre de formation. Merci Mamadou Sakho. Merci Mamadou Sakho. Je sais pas, elle est dans une piscine. Vous avez passé une bonne journée? Oui. Ouais. On a visité le musée. Ouais, le musée. Et ça ah va ouais. Avec les cinq coups. Et vous avez vu quoi là-bas alors? On a vu les allées des champs. On a vu beaucoup de films aussi. Vous savez c'est grâce à quelle association vous êtes là? Ah oui, MSAC. C'est quoi MSAC? C'est l'association de Maman. En fait, le but de l'association, c'est faire un certain partage entre le Sénégal, ce pays d'où mes parents Vienne, où je suis originaire, la France, parce que c'est le pays où je suis né et je joue pour la France, on est tous français, et l'Angleterre, parce qu'aujourd'hui je travaille ici et tout se passe bien et c'est un pays que j'apprécie aussi. Donc aujourd'hui, le but justement, c'est de faire ce partage-là, ça veut dire faire découvrir l'Angleterre, comme aujourd'hui, à des Français comme vous, plus tard aussi, à l'avenir, j'espère, parce que c'est plus compliqué, mais faire venir des enfants sénégalais en Angleterre ou à Paris, vous rencontrez vous et pourquoi pas vous-même demain aller au Sénégal. Parce que pour moi, comme je le dis, l'avenir c'est la mixité. Et je pense que vous êtes jeunes et c'est important de vous faire découvrir d'autres cultures, d'autres pays, d'autres façons de fonctionner, de manger ou autre. Et notre éducation aussi. Comme ça justement, vous pouvez grandir avec une certaine ouverture d'esprit. Enrichissez-vous, posez des questions si vous voulez savoir des choses, parce que vous avez beaucoup de chance d'être là. Et puis voilà, profitez-en un maximum, échangez avec des jeunes. Demain, vous allez jouer contre Liverpool. Ça va être un match sérieux. Montrez vos qualités, n'ayez pas peur, soyez pas timide. Voilà, montrez qu'à Paris, il y a de la qualité. Paris FC surtout, parce que c'est le club d'où je viens aussi. Quand j'avais votre âge, voilà, j'étais à votre place avec le même survêt et le même maillot. Tout le loisir pour prendre du plaisir et faire un match de qualité. Maintenant, c'est à nous de montrer notre disposition et qu'on a de la qualité et montrer que même si on a un club amateur, on est capable de rivaliser avec les très grands clubs européens. On était là hier avec les enfants, on faisait la visite. Bon, là, on savait pas du tout qu'on allait jouer. Que les petits allaient faire le match d'opposition contre Liverpool à Anfield. Là on y est, les petits vont jouer, Reda et moi on va coacher avec des arbitres officiels, tout ce qu'il faut, donc dans les meilleures conditions pour les faire rêver. Paris, Liverpool,
profitez-en un maximum. Donnez tout pour montrer que vous êtes meilleur. Je trouve qu'il représente bien. Il représente bien Paris. Mais le plus important aujourd'hui, c'est vraiment justement de découvrir un autre football. Je trouve qu'il s'adapte très bien. Et on voit justement qu'ils en profitent un maximum. Parce qu'ils se donnent vraiment à fond et ils prennent plaisir à jouer ensemble, à courir ensemble, à faire les efforts. L'objectif est atteint aujourd'hui et je suis très content de vous. Celui qui touche la barre, il gagne mes crampons. Oh, dédicacé. L'ambiance, la bonne humeur, gentillesse, merveilleux, excellent, inoubliable.